Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. J'ai avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. Nous sommes en train de parler de l'esprit fort dans cette série qui a démarré déjà dans les émissions précédentes. Et nous allons continuer à vous parler de l'esprit fort. Pasteur, bonjour, bonsoir. Un thème extrêmement intéressant et important surtout. Amen, amen. Très important. Amen, amen. On voit vraiment que c'est un thème qui nous permet de, comment dire ça, encore une fois, de saisir notre héritage spirituel, de faire des exploits, d'atteindre nos objectifs. Comme on l'a dit dans l'émission précédente, l'esprit fort va voir la vision et va essayer d'atteindre les objectifs qui sont dans la vision. Donc on a vu vraiment ce exactement. Oui, merci beaucoup, Apôtre, encore pour l'opportunité de participer à cette émission Pendule à l'heure. Je pense vraiment que c'est un thème très important, surtout le thème qu'on va voir aujourd'hui, parce que je pense que c'est nécessaire que le chrétien puisse comprendre l'importance, la nécessité, l'urgence d'avoir un esprit fort, parce que c'est le moyen par lequel nous allons recevoir toutes les bénédictions que Dieu promet, que nous allons comprendre la parole de Dieu, que nous allons même interagir avec Dieu, parce qu'un esprit faible interagit moins avec son Créateur, en fait. Or, toutes les promesses, tout ce que Dieu va nous dire, c'est parce qu'on a un esprit fort qu'on pourra bien le capter. Amen. Donc, effectivement, comme ils ont dit, hein, je pense qu'ils l'ont dit, combien le thème était important, parce que l'esprit est la dimension de notre être qui doit avoir le dessus, la prééminence sur les deux autres dimensions. Donc le fait d'avoir un esprit fort va nous permettre d'être fort même dans notre être en général, parce que Jean va dire, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, mais avant que l'âme prospère, il faut d'abord que l'esprit soit prospère, parce que l'esprit est celui qui influence l'âme et qui influence le corps. Donc la prospérité, la santé divine, la dimension spirituelle dans laquelle nous opérons, tout dépend vraiment de notre esprit. Alléluia. Et on a parlé de l'alimentation spirituelle, l'alimentation de notre esprit. Et on a vu que c'était important qu'on ait une bonne alimentation. On a vu vraiment quelque chose de très important. On a vu que notre régime alimentaire dépend de la race. Et nous faisons partie de la grande race des esprits qui se nourrissent des paroles. Et notre alimentation va dépendre aussi de la saison, de l'âge, et après de la saison en fait. Et c'est important que nous comprenions aussi que quel que soit le régime alimentaire, que ce soit la saison ou l'âge, il y a des... Je ne sais pas s'il faut dire des condiments, il y a quelque chose qui revient très souvent, notamment de l'eau. Un bébé boit de l'eau, un adolescent boit de l'eau, un adulte boit de l'eau. Le lait aussi. Voilà, le lait aussi. Et c'est important que nous réalisions l'importance alors de la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque nous méditons la parole, c'est important de savoir l'activer en fait, l'eau du Saint-Esprit. Et pour ça, on a parlé dans la précédente émission de la prière pour activer ça. Et on a vu que l'un des signes que l'esprit est faible, c'est lorsque vous n'avez même plus la force de prier et de parler en d'autres langues. Et là, en début d'émission, on va vous donner des signes qui prouvent que votre esprit est en train de se recharger, qu'il est en train de se nourrir. Jésus disait justement, en parlant de l'eau, que celui qui croira en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sang. Donc le fait que les sources puissent jaillir est justement l'indicateur que notre esprit fonctionne bien et que notre esprit est fort. Et on parlait d'inspiration, justement le fait que les sources puissent jaillir, c'est lié à l'inspiration. Parce que les sources ne peuvent pas jaillir s'il n'y a pas d'inspiration dans la prière. Donc le fait d'être inspiré dans la prière va couler de sources et va produire des résultats. Ça, c'est le premier signe, le fait d'être inspiré. C'est-à-dire, quand vous priez, tout à coup, les mots viennent facilement. Les mots viennent facilement. Tout à coup, le parler en langue. S'il faut parler de la prière par l'intelligence, quand vous priez, vous avez les mots, vous êtes inspiré. Parce que votre esprit fonctionne par inspiration et par révélation. C'est important. Donc, pour savoir que quelque chose est en train de se passer dans votre esprit, soit vous avez une révélation, soit vous avez une inspiration. Et pendant que vous êtes en train de prier, tout à coup, si c'est en français, vous avez des mots, vous ne cherchez pas les mots, en fait. Ça vient, ça coule, ça cool, parce que votre esprit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et si c'est en parlant en d'autres langues, ton parlant en langue change. C'est ça. Effectivement, on voit que quand l'esprit est vraiment fortifié, encore comme on l'a vu, au travers de la parole de Dieu, par exemple, on voit que parfois on doit même prier en langue de manière spontanée. C'est ça. C'est pas prémédité. On voit que quand on écoute la parole de Dieu, facilement, on est poussé à parler en d'autres langues et on voit qu'il y a un vocabulaire en d'autres langues qui est vraiment enrichi. On a des syllabes en d'autres langues, parce que notre esprit est fortifié. Et dans l'autre émission, je pense le pasteur Darius parlait de l'enfant qui va avoir un certain vocabulaire. Également, on parle l'adulte, on voit que si on n'est pas fort sur le plan naturel, on peut ne pas bien parler. Non, c'est clair. On est fatigué, on a du mal à ouvrir la bouche, à parler. Donc, on a un esprit fort. Non seulement le vocabulaire va être enrichi, mais également, c'est un esprit qui va déjà parler le vocabulaire qu'il a déjà. Parce que si l'esprit est affaibli, le vocabulaire peut être enfoui quand même. Parce que la habileté est là, mais on n'arrive pas à articuler, à libérer le vocabulaire qui est enfoui dans notre esprit. Il faut l'esprit fort pour déjà libérer ce vocabulaire qu'on a. Mais effectivement, avec l'alimentation, on va avoir le vocabulaire s'enrichit. Dans l'une des preuves que votre esprit est en train de se recharger pendant que vous êtes en train de prier, parce que la prière, en fait, va activer la plénitude du Saint-Esprit, ça va aussi nous fortifier notre esprit. L'une des preuves que sans quelque chose en train de se passer, ton parler en langue change. C'est ça, en fait. C'est ça. Encore l'une des preuves qu'on est en train d'être fortifié pendant qu'on prie, ça va être le fait qu'après ces temps de prière, nous nous sentons vraiment fortifiés. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va prier, on sent une fatigue. Quand on ressort de là, c'est comme si on a plus de force. C'est vrai. Et ça, c'est un signe que, comme quoi tu as été édifié, que tu as reçu quelque chose. Parce que des fois, la fatigue, même si elle est physique, elle est causée par une fatigue qui est d'abord spirituelle, en fait. Des fois, ça découle de l'esprit. Et des fois même, c'est même pas l'esprit, c'est seulement le corps, mais la force de l'esprit va fortifier le corps. Donc, je pense que lorsqu'on passe un temps dans la prière, que c'est un temps efficace, et que nous avons vraiment reçu quelque chose et que nous avons été fortifiés, bah, nous ressortons de là des fois aussi avec des forces. Et moi, j'aimerais même aller plus loin en disant que j'ai remarqué que les 2-3 premières minutes des temps de prière vont déterminer exactement si l'esprit est fort ou pas. Parce que si les 2-3 premières minutes, même les 5 minutes, tu n'arrives pas à décoller, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne sais pas si tu suis. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai parce qu'un esprit fort, dès qu'il dit un esprit fort se connecte facilement. Tout de suite, c'est vrai. Et on avait vraiment vu ça sur l'une des émissions où parfois là, on répond, on est sensible même à l'invitation du Saint-Esprit dans la communion avec Dieu. Parfois on se réveille avec un chant, avec, mais on rentre facilement dans ces choses-là, on fond facilement dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un esprit fort. Et l'esprit fort, lorsqu'il commence à prier, a tout le temps en fait des inspirations dans la prière. Ça veut dire que je commence par un sujet, je passe pas tout mon temps à prier pour ce sujet au point où je ne sais même plus quoi dire. Parce que très souvent j'ai remarqué, même quand on va prier en groupe, on va donner une indication et les gens vont rester bloqués sur un mot. C'est-à-dire qu'à partir de ce mot-là, normalement à partir d'un mot, tu peux créer une chose. C'est comme ceux qui sont des peintres. À partir d'une idée, ou même moi qui suis musicien, à partir d'une note, je peux avoir tout de suite une mélodie. Donc ça veut dire que quand tu commences à prier, un seul mot peut t'inspirer plusieurs autres sujets de prière qui découlent de ce mot-là. Et ça, c'est un signe, encore une fois, d'un esprit qui est fort. Et j'aimerais encore revenir sur des signes qui vont nous démontrer que nous sommes en train d'être édifiés pendant qu'on prie. C'est pendant, si on est en train de prier et qu'on commence à avoir des visions. C'est ça. Tu commences à avoir des visions, tu vois des choses et Dieu te parle, Dieu te montre des choses. Passé, présent, futur, je sais pas, mais il te montre des choses. C'est quelque chose en train de se passer, en fait, et tu le sens. Et des fois aussi, ça peut être le fait que tu sens comme une douche, alors qu'il n'y a pas d'eau. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui descend sur toi, c'est qu'il se passe quelque chose dans le monde spirituel et que quelque chose est en train de t'être communiqué, en fait. Donc, il y a quelque chose, le pasteur Gentil a dit, c'est juste pour nuancer aussi. C'est vrai qu'on peut aussi surtout voir que la richesse est une preuve d'un esprit fort. Mais parfois, dans notre communion avec Dieu, par exemple, dans le domaine de la musique, et c'est quelque chose que j'ai remarqué, ça peut être un chant. C'est vrai. Et parfois, les gens se disent, tout cet aspect-là important, ce qu'il dit, que l'esprit fort, c'est par la richesse, la variété, le fait de développer. Mais parfois aussi, quand on est esprit fort, on est sensible à ce que l'esprit veut. Parfois, il y a cette monotone créative là, dans laquelle il va nous amener. Par exemple, ça s'appelle le chant. Parfois, je le vois, une note, il veut que vous restiez sur une note, il veut que vous restiez sur un chant. Parfois, il veut que vous restiez sur un mot, sur un thème, sur quelque chose. Et c'est comme un peu des filons. C'est-à-dire, tu creux, il y a un filon, tu t'enrichis dedans, il y a des richesses dedans. Parfois, un esprit fort également va reconnaître ça. Mais c'est parce qu'en fait, dans le monde naturel, ça semble être monotone, mais ton esprit Exactement. Il y a des choses qui se passent différentes. Sachant dans ton esprit, c'est différent. Tu vas dire, tu vas répéter tout le temps. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta... La deuxième fois ou la troisième fois, ton esprit, c'est pas la même. Ton esprit ne pas de la même façon. Voilà. C'est monotone dans le naturel, mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, et beaucoup de gens vont tomber. Ceux qui nous regardent doivent vraiment comprendre ça. Que le naturel, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Ça peut te dire, mais c'est comme, ça m'amène un peu Daniel avec le parler en langue qui est juste mené, télé, c'est sûr. Mais ça voulait dire beaucoup de choses dans l'interprétation. C'est un peu dans le même esprit. Parfois, Dieu peut te faire jouer une seule note. Mais tu te remplis de l'esprit, c'est ce qu'il veut. Parfois, quand on sait que c'est ce que l'esprit veut, une seule note, même au niveau du piano, c'est la même gamme qu'il veut, c'est la même note. Et beaucoup de gens se coupent un peu l'esprit parce qu'ils pensent que l'inspiration est tout dans la variété. Dans la variété Parfois, c'est surtout dans ce que l'esprit veut. Et un esprit fort doit être à même de reconnaître ce que l'esprit veut. Parce que déjà, notre adoration n'est pas possible sans l'entremet de l'esprit de Dieu. C'est important ce que le pasteur Isaac dit, parce que même des fois, quand on prie. On est là, on est en train de prier, prier. Et à un moment donné, tu vas dire une phrase ou un mot et le Saint-Esprit te dit c'est ça. Je veux que tu insistes sur ça. Je ne veux plus que tu passes à autre chose, mais je veux que tu insistes sur ça. C'est important du coup, effectivement, que tu es nuancé parce qu'on peut se dire effectivement qu'il faut à chaque fois que je change, mais non. Des fois, l'atmosphère impose un certain justement, comme l'apôtre disait qu'à chaque fois que tu vas redire, non seulement dans l'esprit, c'est pas pareil, mais l'atmosphère va évoluer. C'est vrai. Ça va changer. Tu vas dire, je me rappelle, à un moment donné où je priais, je disais tout est accompli. Tout est accompli. Mais plus je disais ça, plus l'onction augmentait en fait. Ça a l'air d'être monotone, mais c'est pas si monotone, c'est dans l'esprit et puis même à l'extérieur, ça se ressent. Parce que c'est vrai que ce qu'il disait, en fait, c'est des personnes qui vont dire, mais parce que il se passe rien. Et ils vivent rien. Voilà, c'est cet aspect important. Et aussi l'autre que tu as énoncé, pasteur Isaac, c'est que c'est le fait de pouvoir le dire, mais en étant inspiré, ça change. Même dans le parler en langue, ça peut être la même chose. On peut dire ba 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 ba, mais chaque fois est différent. C'est pas le même. Ou bien des fois même tu es là, tu cries, tu pousses un cri, tu pousses toujours le même cri, mais c'est toujours des choses différentes qui se passent. En fait. Je me rappelle à Rennes, je ne sais pas si tu te rappelles, pasteur, on était à Rennes, en fait, on était étudiants, et puis on a commencé à adorer, on a passé des heures sur un seul cantique. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je pense que c'est avec un album ou bien avec DonMoon. C'était avec DonMoon. On a passé des heures. On était sur le canapé des heures. Ça tournait, ça tournait. Et la présence de Dieu était là, en fait. La présence de Dieu était là. Quelque chose est en train de se passer dans l'esprit. Mais lorsqu'on regarde le livre d'Apocalypse, la Bible va nous dire que les anges sont en train de dire à l'agneau qui a été immolé, soit gloire, honneur. Mais on ne dit pas pendant combien de temps ils le disent. Pendant combien de temps ils le répètent pour que l'atmosphère soit comme ça. Donc en fait, il y a des mots qui sont vraiment significatifs dans le monde spirituel. Mais le pasteur Darius disait quelque chose tout à l'heure, avant que j'oublie cette idée. Il disait le prophétique va même se manifester facilement lorsque l'esprit est fort. Ça veut donc dire, par induction, que les dons spirituels vont se manifester plus facilement lorsque notre esprit est fort. C'est-à-dire que lorsque notre esprit est fort, les dons spirituels se manifestent rapidement. Je n'ai même pas besoin de plusieurs secondes pour commencer à prophétiser. Exactement. J'ai ce témoignage où une fois je discutais avec quelqu'un et je regarde la personne, je lui dis maintenant je vais te dire ce qui concerne ta vie. Et à l'instant où je l'ai dit, tout de suite j'ai commencé à avoir des visions. C'est un indicateur de l'esprit. C'est un indicateur. Et j'avais remarqué aussi, tu disais beaucoup, tu avais même témoigné dessus en disant que des fois, tu vas appeler une personne, le Seigneur te dit d'appeler la personne, tu l'appelles, tu ne sais pas encore ce que tu dois lui dire. Quand la personne arrive, tout de suite, tu commences à voir les choses. C'est-à-dire qu'un esprit fort aura la foi d'agir sur la base de ce que Dieu dit, sans forcément voir d'abord avant de pouvoir annoncer à la personne. En fait. Donc, comme quoi, des fois aussi, c'est important de comprendre que lorsqu'on a un esprit fort, non seulement on est plus facilement inspiré, mais notre foi est plus vivante, beaucoup plus vivante. Ouais. Mais c'est ce que Éphésiens 3,14 va dire, on voit comment c'est vraiment tout ta position. Non, mais ça c'est... Il est confortablement installé. Oh, il est bon ce canapé. Oh, c'est pas possible, ça c'est bien là. On voit vraiment que l'esprit fort, c'est un tout. C'est la foi qui est forte. Amen. c'est l'onction qui est activée, qui est dans sa forme de l'énergie, celui qui peut faire au-delà ce que nous demandons, nous pensons, par la puissance qui agit en nous. Donc, vraiment un esprit fort, c'est vraiment c'est un état, c'est une condition. Il y a la foi qui est forte, le Christ qui règne, l'onction qui est activée, effectivement, que ce soit les miracles, les dons au Père, que ce soit les dons vocaux, les dons de puissance, les dons, comment dire ça, les dons de révélation, plusieurs dons sont finalement activés parce que cet esprit-là est même plein de grâce. La grâce est en train d'opérer. Et même pour aller plus loin, pasteur Isaac, même les 7 manifestations de l'esprit de Dieu sont faciles. C'est-à-dire que la sagesse se manifeste plus facilement lorsque mon esprit est fort. Et très souvent, les gens n'arrivent pas à le comprendre. C'est que, en fait, même la sagesse ne peut pas pleinement se manifester si ton esprit n'est pas fort. Si tu n'es pas chargé de l'esprit. Pourquoi? Parce que Jacques va dire que celui qui manque de sagesse la demande. Mais tu la demandes quand? Pendant les temps de prière. Quand tu dialogues avec Dieu, tu le demandes. Ton esprit est fortifié, ta sagesse est renforcée. Et c'est pas pour rien que la Bible va dire que Jésus grandissait en sagesse. Il commence bien en sagesse, en stature, en grâce. Pourquoi? Parce que même la grâce ne peut pas facilement se manifester si la sagesse n'est pas, là. On voit même que la Bible, encore une fois, c'est Éphésiens 3,14, dit que Christ habite en vous par la foi. Donc la foi va activer cette sagesse-là. C'est sûr, il y a l'aspect, il faut demander, mais Christ est quand même notre sagesse. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 1,30, que Christ quand même notre sagesse. Il faut que les chrétiens comprennent la sagesse n'est pas très loin. Tout ce paquet là en Christ, et Christ réside en nous. Ce que Dieu veut, c'est pour ça qu'à la si on insiste beaucoup sur la foi. Quand la foi est activée, la foi va activer Christ. Et c'est en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, d'où l'esprit fort, un esprit fort, comme le pasteur Gentil dit, va voir la sagesse de Dieu va se manifester dans sa vie. C'est pour ça même dans ces trucs, je veux dire, activer plutôt la sagesse même que la demander. Parce on est sur les signes ou les signaux qui prouvent que votre esprit est en train d'être nourri, en train d'être rechargé. L'autre signe, le pasteur Darius l'a dit, c'est quand l'onction se manifeste. Pendant que vous êtes en train de prier, tout à coup l'onction se manifeste de plusieurs façons. Ça peut être comme si on t'avait versé de l'eau sur le corps. En fait, ça peut être une chaleur, ça peut être de l'électricité. Vraiment toutes les manifestations de l'onction, en fait, ça peut prouver que quelque chose est en train de se passer dans ton esprit, parce que nous savons tous que l'onction est tangible mais spirituelle. L'onction est dans l'esprit, même si c'est tangible, ça se passe d'abord dans l'esprit. Et l'un des signes aussi, c'est que quand on prie, on sent une joie, on sent un bonheur. La joie. La joie, la joie, la joie. Un esprit fort. La joie, la joie. Un esprit fort, finalement. Ceux qui suivent mes prédications comprennent c'est quoi, en fait. Un esprit fort, c'est un esprit qui va être plein de gloire. Et la gloire dans sa richesse, encore une fois, l'apôtre, tu nous as lu ce passage, je n'arrête pas de méditer là-dessus, que vous soyez puissamment fortifiés selon la richesse de sa gloire. Donc, c'est un esprit qui est plein de gloire. C'est un esprit qui est plein d'éclat. Parce que c'est un esprit qui communique, on est en train de voir la prière, c'est un esprit qui communique avec Dieu, qui est le Dieu de gloire. C'est vraiment un esprit qui est enrichi en gloire. C'est ça, un esprit fort. Un autre signe aussi qui démontre que nous sommes en train d'être fortifiés dans notre esprit, pendant que ça peut être pendant aussi pendant le temps de prière, en restant par rapport à la prière, c'est que nous allons avoir des idées par rapport aux situations de notre vie, en fait. Parce que des fois, on peut traverser des situations difficiles, ne pas savoir comment s'en sortir. Lorsqu'on passe un temps dans la prière, on ressort de là en sachant quoi faire et surtout même comment le faire, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des stratégies et on va savoir comment les pratiquer, comment les mettre en place. Parce que quand on n'est pas en train d'être fortifié, on peut prier, et puis il ne se passe rien, on ne reçoit pas grand-chose. Or, quand tu es en train d'être édifié et que tu reçois quelque chose et qu'il se passe quelque chose, tu reçois de là avec des idées. Ça peut être pour ta vie, pour la vie des gens autour de toi, et si tu es un leader, pour la vie de tes brebis aussi. Et pour rebondir sur ce que le pasteur Darius est en train de dire, ça veut donc dire qu'un esprit fort est un esprit qui est en train d'être fortifié, est un esprit qui enfante. Parce que Paul va parler des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que pendant que mon esprit se fortifie, j'enfante des choses, j'enfante des projets, j'enfante même spirituellement des fils et des filles. Amen, amen, amen. On va continuer sur comment fortifier son esprit. On fortifie son esprit par les exercices spirituels. Sachez qu'il y a des exercices spirituels que vous devez faire. Le premier exercice spirituel, ou celui qui englobe tout ça, c'est la pratique de la parole de Dieu. Mais quand on parle de pratiquer la parole de Dieu, certains en fait sont un peu dans le flou. Vous comprenez? Sont un peu dans le flou. Mais lorsque la parole de Dieu nous demande de prier pour les malades, Si vous ne testez pas la prière pour les malades, vous ne verrez pas les résultats et votre esprit ne va pas être fortifié. Votre foi ne sera pas fortifiée. Il y a des exercices spirituels qui existent et j'aimerais qu'on puisse parler de certains exercices spirituels et comment les pratiquer pour pouvoir fortifier notre esprit. J'aimerais encore rebondir sur ce que tu dis, Apôtre, parce que l'idée, c'est de... Ou fortifier notre foi, c'est pareil. C'est ça, voilà. Je voulais justement parler de nous édifier sur notre très sainte foi. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation, il y a un malade qui est là, on a appris qu'ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, tu dis, je suis un croyant, je vais tester ça. Lorsque tu le fais, si tu vois les résultats, il y aura une force qui va naître en toi. Ta foi va grandir, tu seras fortifié. Ce qui veut dire que les exercices spirituels, ce n'est pas... tant que ça, seulement prier ou... C'est ça. Voilà. Ça peut être aussi le fait de pratiquer la parole, comme tu le dis, en priant pour les malades ou simplement aussi en... Comment je peux dire ça? En intercédant pour tous ceux, par exemple, qui sont soit malades ou bien qui doivent accepter le Seigneur. C'est-à-dire faire des choses qui ne sont pas... qui vont faire naître en toi une foi particulière et qui vont te pousser de l'avant. C'est ça. L'un des exercices aussi, c'est la confession. Amen. La confession va installer une certaine atmosphère. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose dans un passage qu'on a souvent l'habitude de lire, c'est Proverbe 18-21 qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ça veut donc dire que quand tu déclares la mort, elle arrive. Quand tu déclares la vie, ça arrive. Ça arrive. Mais le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. C'est que la mort est citée avant la vie. C'est ça. C'est parce que, en fait, même si la mort a été déclarée dans ta vie, tu peux quand même déclarer la vie. Parce que la vie peut venir après la mort pour tout restaurer. Yes. Donc, ça veut dire que la confession de la parole de Dieu va restaurer toute chose et faire en sorte que même la vie qui était chaotique puisse changer radicalement et fortifier notre esprit pour l'emmener à une autre dimension. Amen. Et je veux vraiment rebondir sur les confessions. Dans Josué 1, 6, Dieu va dire à Josué, 6 à 8, il va dire fortifie-toi et prends courage. Ah, c'est vrai. Comment? C'est par les confessions, c'est par la méditation. Donc, pour fortifier son esprit, il faut faire cet exercice-là qui est vraiment une culture à la sueur. Confesser la parole de sur soi, confesser, mais avec force, avec conviction, et l'esprit va se fortifier. Et d'ailleurs, la Bible dit que le faible dit je suis fort. C'est ça. En fait, c'est une clé que Dieu est en train de donner pour pouvoir fortifier. Une clé extraordinaire. Faire comme le roi David. Lorsque même notre âme est abattue, on se sent faible, on se regarde dans le miroir et on dit ne tabac pas mon âme, l'Éternel est notre Dieu, je suis fort, le déclarer en fait. Donc on comprend vraiment, c'est pour ça que le chrétien ne doit pas dire qu'il est faible, il ne doit même pas dire qu'il a des faiblesses. Non, le chrétien, on est une nouvelle créature. C'est-à-dire notre langage détermine ce qu'on va vivre. Il doit dire je suis riche parce que c'est ce qu'il est en Christ, il doit dire qu'il est fort, c'est ce qu'il est par définition en tant qu'enfant de Dieu. Il doit maintenir la confession. Tu sais, pasteur Isaac, très souvent les gens disent ça parce qu'ils disent ouais, mais si je dis autre chose, je suis en train de mentir. Non, tu dis la vérité de ton esprit. C'est exactement ça. En fait, très souvent, on se dit non, mais je vis des choses, je passe par des choses, je ne peux pas dire que je suis fort, alors qu'actuellement, je ne sens pas fort. Non, mais ça ne dépend pas de ce que tu sens. Ça. Ça dépend de ton esprit. Ton esprit au-dedans de toi, la capacité d'être fort et de prendre le dessus. Et c'est là où on voit même, et c'est un langage, c'est notre langage, c'est le langage de notre patrie. Dieu va dire à Abraham qu'il est père d'une multitude. Il n'avait même pas un enfant. Donc, est-ce que Dieu est en train de mentir? Non, parce que nous parlons les choses qui ne sont pas comme celles étaient. Parce qu'elles existent dans notre esprit et nous parlons ce que nous voyons dans l'esprit, en fait, pour le voir manifester. C'est pour ça le faible doit dire il est fort. Il ne doit pas dire qu'il est faible. Parce que s'il dit il est faible, il sera encore plus faible. Parce que ses paroles vont affaiblir son esprit. Exactement. Donc, il doit dire ce qu'il veut voir se manifester. C'est comme quand Jésus va dire Lazare dort. Il n'a pas menti. Ils vont dire comme quand il va voir le roi. La preuve, il allait le réveiller. Il allait le réveiller. Comme quelqu'un qui est en train de faire sa sieste. Lazare sort. Viens. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul va dire je vous écris au sujet de ceux qui dorment. Donc, ça veut dire qu'il y a un langage à avoir. Un esprit fort, un certain langage. Et plus tu maintiens ce langage, plus tu te fortifies. Parce que notre esprit se nourrit encore une fois des paroles. C'est ça. Et nous sommes en train de vous parler d'exercices spirituels. À l'école, lorsqu'on parle d'un exercice, c'est pour assimiler une vérité. Mais en fait, assimiler une vérité pour que ça devienne en fait instinctif et un style de vie en fait. Donc c'est tout à fait normal que en fait vous avez envie de confesser, vous savez qu'il faut confesser, mais vous avez l'impression que vous mentez quand vous le dites. C'est pour ça qu'on dit exercice. Donc tu dois le faire en fait. Tu dois faire cet exercice là et ça deviendra un style de vie, ça deviendra instinctif en fait et tu vas réussir à vaincre cette pensée qui dit que tu mens en fait. Vous comprenez? Ça devient instinctif. Ça veut dire que même quand tu le dis, en fait, au début, c'est un exercice pour toi. Mais quand ça devient instinctif, c'est plus un exercice. Tu as assimilé ça. Non, mais le style, non seulement ça devient un style. C'est pour ça qu'on ne parle d'exercice. Mais non seulement ça devient un style, mais ça devient même la vérité. Ça devient la vérité. Et c'est ta réalité au bout d'un moment. Donc, en fait, c'est tu dois adapter le monde qui est autour de toi à la vérité de la parole qui est dedans de toi. Et pour ça, tu dois t'exercer. Et en t'exerçant, tu deviendras un professionnel dedans. Et tu le vivras tout simplement. Mais tu sais, moi, je ne calcule même plus cette histoire de Corona. À chaque fois qu'il parle, je regarde à la télévision, à chaque fois qu'ils disent cette deuxième vague. Je me sens pas concerné. Moi, c'est instinctif. Quand je dis de la tête au pied, malégasie, kata, ça ne va pas m'atteindre au nom de Jésus. En fait, ça devient instinctif. Je ne calcule plus. Je ne dis plus machin parce que c'est rentré, c'est impossible. Tu sais que ça, c'est une clé. J'aimerais vraiment que les internautes comprennent ce que je suis en train de dire parce que moi, ça m'a aidé dans ma vie chrétienne. Je me rappelle qu'à l'époque, souvent, on en rigole. Lorsque, à l'époque, j'étais voyou et que je fumais, etc., machin, j'accepte le Seigneur. J'avais les cheveux encore. J'avais les tresses. J'avais les tresses. Et du coup, je fumais, je buvais. Et l'une des choses, je me rappelle, c'est que je confessais. Le Saint-Esprit avait fait naître en moi ce désir. C'est plus tard que je me suis rendu compte. Je me rappelle que j'essayais vraiment de marcher, d'accorder ma vie à ce que le Seigneur demande. Et l'une des choses que je faisais, c'est que je parlais. Et je parlais, je me rappelle, je parlais au joint que j'avais dans la main et je lui disais, je ne veux plus te fumer. C'est une question de temps. Je ne veux plus te fumer. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Mais c'est comment? Tu as conversé. Je ne veux plus te fumer. Juste du sang. Je ne veux plus te fumer. Mais c'était exactement comme ça. Et justement, et c'est là, donc justement. Et je fumais, non mais regardez, parce que ça a marché. Parce que quand le faible dit je suis fort, il ressent toujours la faiblesse. Et c'est pas parce que la faiblesse part tout de suite. Il se focalise juste sur ce que il entend dans son esprit et continue à maintenir la confession. Et au bout d'un moment, ce qu'il a dit arrive. C'est ce que dans Marc 11:23, le Seigneur nous dit. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Vraiment, ce passage-là, c'est temps-ci. Non, il est fort, il est fort. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras accomplir. Tu le verras s'accomplir dans ta vie. Ça veut dire que, à force de le confesser, au bout d'un moment, j'ai vu la chose se manifester. J'ai carrément perdu l'envie. L'envie est partie, en fait. Et je pense qu'on doit comprendre que la confession nous maintient, en fait, va nous permettre d'aller à un autre stade et vivre une vie beaucoup plus solidement. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé d'arrêter en disant, bon, là, j'arrête petit à petit de fumer ou de boire, et au bout d'un moment, je vais y arriver. Ça, c'est peut-être selon le monde, mais par la parole de Dieu, tu peux carrément changer ta mentalité et changer même tous tes envies dans ton être, dans ton corps. La foi conditionne notre mentalité. C'est ça. Un autre exercice spirituel, en fait, que souvent, on peut négliger et on assimile cela forcément à notre appel, mais en réalité, tous les chrétiens doivent faire cet exercice spirituel. L'apôtre Paul a dit à Timothée, applique-toi à l'enseignement. Je ne vais pas d'abord parler de la lecture, parce que ça aussi, c'est un exercice qui fortifie. La Bible dit, applique-toi à l'enseignement. En fait, l'enseignement est un exercice spirituel qui fortifie notre esprit. Vous savez, les personnes qui sont timides et qui ne veulent pas prendre la parole en public et s'engager à enseigner, à exhorter, ils passent à côté de quelque chose. Parce que quand tu enseignes, non seulement tu assimiles les vérités que tu enseignes, mais tu te fortifies aussi toi-même. Regardez ce qu'on est en train de faire là. On est en train d'enseigner, mais regardez ce qui se passe dans notre esprit. Regardez ce qui se passe dans notre esprit, en fait. Pourquoi Jésus va dire, il n'y a plus de joie finalement à donner qu'à recevoir. Parce que pendant qu'on peut être alimenté, mais tant qu'on ne donne pas quelque part, c'est comme si on ne mange pas de manière effective. C'est quand on partage que finalement on assimile bien ce qu'on a. L'enseignement est un exercice spirituel, pas seulement seulement pour aider les autres, mais pour vous aider aussi vous-même. En assimilant même mieux les choses et en se fortifiant. Combien d'enseignements et de prédications nous avons faites? C'est-à-dire, on est en train d'exhorter quelqu'un. C'est bizarre, on sent qu'on se parle même à nous-mêmes, en fait. On a même d'autres révélations. On a même d'autres révélations. Vous comprenez? Pendant qu'on parle, notre esprit est agité pendant qu'on le dit. Est-ce que vous comprenez? Notre esprit mange en même temps que nous sommes en train de le faire. C'est vraiment très important. L'image qui me revient, c'est un enfant qui était avec sa mère, qui voulait monter dans l'avion. Et l'enfant avait peur de monter dans l'avion. Et puis, il y avait d'autres passagers derrière. Il y avait un enfant plus petit qui était là, qui avait du mal après. Il avait dit, hey, cet enfant-là, le tout petit, là, a monté dans l'avion. C'est comme ça que le plus grand est finalement arrivé à monter dans l'avion parce qu'il a aidé le plus petit que lui. Vous voyez un peu, comme pour dire que c'est quand on sait, c'est quand on partage ce que Dieu nous enseigne pour notre alimentation, que quelque part on assimile mieux qu'on grandit même. Mais sur ça, pasteur, hein, sans vous couper la parole, j'ai remarqué que, en fait, quelqu'un quitte parfois du stade d'enfant à adulte, quand on lui donne des responsabilités, et quand il commence déjà à enseigner certaines choses, parfois des choses qu'il n'a même pas encore pratiquées, mais il a l'impression, et là du coup, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant qu'il dit, il assimile, ça se dépose dans son esprit. Et quand il arrive à la maison, il sent même la force et la motivation de pratiquer ça. Parce qu'il l'a enseigné, en fait. C'est très fort ce que tu dis, parce que le Saint-Esprit me l'a dit une fois. Je voulais parler d'un thème, mais moi-même, je ne le pratiquais pas. J'ai dit au Saint-Esprit, mais je ne peux pas parler de ça, alors que moi-même, je ne le pratique pas. Le Saint-Esprit m'a dit, lorsque tu vas l'enseigner, tu vas te parler à toi-même. Ça va t'enseigner toi-même. Et comme tu l'as dit, toi-même tu seras lié par ce que tu as dit, tu seras obligé de le pratiquer. C'est pour ça que Paul va dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que lorsque tu parles d'un sujet, si tu ne l'as pas pratiqué, toi-même tu vas t'efforcer à le faire parce que tu sais que tu es censé être le modèle. Exactement. Et j'aimerais même aller plus loin par rapport à ce qu'il dit, parce que c'est trop vrai. Et tu nous avais enseigné une chose une fois, c'est que la voix la plus familière qu'on connaît, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Donc, autrement dit, la voix qu'on va plus accepter, reconnaître, c'est la nôtre. Donc, au moment où tu es en train d'enseigner quelque chose, le meilleur moyen, c'est que toi-même, tu l'enseignes pour mieux l'assimiler, pour que toi-même, tu te l'enseignes toi-même. Et il y a une chose, c'est que Jésus va dire, lorsqu'il parlait, en fait, à la Samaritaine, les disciples vont revenir. Il a dit, mais ils vont voir, ils vont dire, mais quoi, tu ne manges plus? Il dit, non, j'ai mangé une meilleure nourriture. J'ai mangé... Comment il s'est-il nourri? Alors qu'il a donné. Il a donné. Mais il dit, c'est nous. Mais ça, c'est la réveillée. Comment s'est-il nourri alors qu'il a donné? Ce qui veut dire, en fait, que... Il était en train de donner. Mais comment il dit qu'il a mangé une nourriture? My God. C'est vraiment pas... Est-ce que c'est la Samaritaine? La Samaritaine, il était en train de nourrir la Samaritaine. Mais il dit que c'est lui qui n'a plus faim. Mais il dit qu'il n'a plus faim. Alléluia. C'est pas peut-être que l'apôtre a lié les deux points. On a parlé de la confession et du coup, on parle l'enseignement. L'enseignement, quelque part, au-delà du fait de se traiter durement soi-même, quand on enseigne, on applique également la confession. C'est vrai. C'est vrai. L'enseignement est double. C'est double. Il y a la confession, il y a l'enseignement. Je comprends mieux pourquoi Dieu va dire à Abraham, tu t'appelles Abraham maintenant. Parce que maintenant, Abraham, devant chaque personne qui ne le connaît pas, il va dire, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Abraham. Il va planter lui-même. Il va se déclarer, je suis père de multitudes. Et à force de le dire, sa foi va grandir. Va mieux assimiler cette réalité et ensuite ça va se manifester dans sa vie. Parce que la répétition apporte la persuasion dans notre âme. Amen. Donc vous qui nous regardez, vous voulez grandir spirituellement, appliquez-vous à l'enseignement. Il y a certaines vérités que vous connaissez, pour pouvoir mieux les assimiler, les planter dans votre esprit. Partagez-les autour de vous, en fait. Mettez votre timidité de côté, en fait. Mettez la timidité de côté. Prenez des personnes qui sont moins âgées spirituellement que vous. Exhortez-les, en fait. Encouragez-les. Parce que parfois, en encourageant les autres, on s'encourage soi-même. En édifiant les autres, on s'édifie soi-même. Une autre façon de fortifier notre esprit. C'est pour ça que tu nous dis souvent que parfois, des domaines, dans les choses qu'on ne vit pas dans cette domaine, il faut les enseigner. Il faut les enseigner, c'est pour ça. Parce que, vous savez, très souvent, on nous a appris, et moi je crois que c'est vraiment une erreur. Parce qu'on nous a souvent appris qu'on ne doit pas enseigner ce que nous n'avons pas pratiqué. C'est vrai que enseigner quelque chose qu'on a pratiqué a plus de puissance. Mais il y a une autre dimension dans le fait d'enseigner ce qu'on n'a pas pratiqué. On provoque. On provoque ces choses à se manifester et on les plante dans notre esprit. On les plante dans notre esprit. Il y a même un exercice que je vais leur donner. Parce que certains peuvent se dire, d'accord, je dois enseigner, mais si j'arrive devant les gens, comment je vais faire? Et un autre exercice, c'est se visualiser avant d'aller enseigner devant les gens. Ça veut dire que j'enseigne d'abord seul dans ma pièce en visualisant les gens. Et lorsque je vais arriver devant les gens, ça va couler de source. Parce que moi, j'ai réalisé que ça fonctionnait avec moi au niveau des GR. Parce que je n'avais jamais pris la parole devant les gens. Mais le fait de visualiser mon GR et de commencer à enseigner dans le lieu secret, on peut penser que c'est ridicule parce qu'on se dit, mais il n'y a pas de gens devant moi. Mais le fait de le faire, tu es déjà en train de conditionner ta mentalité. Ouais. Parce que lorsque Dieu va demander à Abraham de lever les yeux pour regarder les étoiles, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il l'aide à ouvrir son intelligence et à voir les choses autrement. Non, ça veut dire que si je visualise déjà dans le lieu secret, lorsque je vais arriver devant les gens, ça sera plus facile et ça va couler de source. Amen. Et c'est pour ça, je pense, l'une des émissions, on parlait de changer des mauvaises expériences par des bonnes expériences, par la visualisation, par l'imagination. Effectivement, quand on imagine les choses dans notre âme, bon, on les imprime dans notre subconscient et à coup sûr, quelque part, on va les vivre. Encore une fois, le fameux passage, on parle de misoter dans Genèse 11. Ils avaient même langage, mais ils imaginaient une espérance. Ils ont fini par réaliser cela. Mais une chose que je fais même souvent, Apôtre, c'est que quand tu enseignes des messages et que je vois que la révélation est vraiment, waouh, excellente, je trouve quelqu'un pour lui enseigner. Ou bien je vais même reprendre certaines personnes qui étaient là pendant que tu enseignais et je vais enseigner encore ça. Et plus je l'enseigne, mieux je l'assimile, plus je veux comprendre, plus je vais approfondir. Et c'est vraiment incroyable comment ça marche. Comme là, par exemple, comme tu disais, Apôtre, on est en train de parler de ça, il y a des révélations qui viennent. Mais si des révélations ne seraient peut-être pas venues si on n'avait pas parlé de ça. Donc c'est un exercice en lui-même, le fait d'enseigner, en fait, le fait d'expliquer le peu de révélations ou le peu d'informations qu'on a. Ça va les augmenter. Le problème, c'est que les chrétiens, en fait, pensent que l'enseignement, le fait d'enseigner, ça dépend du ministère auquel nous sommes appelés, en fait. Alors que déjà, le basique de l'enseignement, tous les chrétiens doivent savoir le faire. La Bible dit « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, en fait. » C'est un exercice spirituel que tout chrétien doit savoir faire. Et ce n'est pas la peine de vous cacher derrière votre timidité pour dire « Non, ce n'est pas mon appel, machin, tout ça. » Et il y a autre chose qui est très importante. L'enseignement ou l'exhortation va activer l'inspiration. Et l'inspiration, en fait, c'est dans votre esprit. Et plus votre esprit est inspiré, plus il se fortifie. Parce que vous devez comprendre que votre esprit peut faire du... Comment on appelle ça? Peut faire du sport aussi. Est-ce que vous comprenez? Et l'inspiration, en fait, fait partie aussi du des exercices de l'esprit, en fait. Mais pour ça, il faut se mettre en danger. Il faut se mettre en danger. Pourquoi je dis il faut se mettre en danger? Parce que voilà, il faut prendre des risques. Pourquoi je le dis? Parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas exhorter ou prendre des initiatives d'enseigner, c'est parce qu'ils se disent, et si je ne suis pas inspiré? Et si je bégaye? Et si je cherche mes mots? En fait, si aujourd'hui tu cherches tes mots, demain tu te mets encore en danger. Tu es en train de provoquer ton esprit et forcer ton esprit à ouvrir le canal de l'inspiration. Pour que ça puisse venir, en fait. C'est exactement ça. Moi, j'ai remarqué que j'ai plus progressé dans l'exhortation que quand j'ai commencé à parler. Voilà. Parce que pendant que tu parles, il y a même des idées auxquelles tu n'avais pas pensé qui viennent sur le moment. Pourquoi? Parce que comme ton esprit est actif, il s'ouvre au champ plus large qui est celui du monde spirituel. Donc, il capte les différentes informations qui viennent. Mais je pense également à autre chose, c'est lorsque la Bible va parler d'Apollos. La Bible va dire « Homme éloquent est versé dans les Écritures ». Mais pourtant, cet homme-là, la Bible va nous dire que les disciples de Paul vont le prendre à côté pour lui enseigner avec plus exactement les voies du Seigneur. Mais Apollos n'a pas attendu d'être enseigné plus exactement dans les voies du Seigneur pour commencer à parler. Il était déjà éloquent avant d'avoir été enseigné plus exactement. Pourquoi? Parce qu'il s'exerçait déjà à parler. Donc l'éloquence n'est pas venue du fait qu'il soit enseigné, mais du fait qu'il est pratiqué abondamment. Donc c'est forcément lié. Je pense qu'il y en a qui se limitent beaucoup plus. Est-ce que je suis éloquent? Est-ce que peut-être je suis courageux? Je sais pas, peut-être parler en public. Je ne me vois pas, j'ai un type de tempérament. Mais on voit quand même ce grand leader qu'on appelle l'apôtre Paul, il va quand même dire aux Corinthiens, si je suis ignorant sur le rapport du langage, je ne suis pas sur le rapport de la connaissance. Mais ce qui paraît, l'apôtre Paul n'était pas très éloquent. La preuve, on soulève quand même l'éloquence d'Apollos. Mais c'est quelqu'un qui avait une certaine connaissance. Je pense qu'on peut aussi parler de manière moyenne, mais quand on a la connaissance, impacter les vies, comme l'apôtre Paul, il le dit quand même. Mais même Moïse, c'est ce qui est arrivé à Moïse. Parce que Moïse, au début, dit « je ne sais pas parler ». Mais par la suite, on lui envoie Aaron pour 40 ans. Mais par la suite, c'est lui qui commence à parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à pratiquer, exercer. Au final, il a commencé à parler avec les autres. Non, mais ça, c'est vraiment une clé importante qu'on vous donne là. Sérieusement. J'ai même jamais entendu ça. Vous allez progresser, ouais, ça vraiment. Non, mais c'est grave. Non, mais sérieux, sincèrement. Non, mais c'est vrai. Apte à enseigner, comme l'apôtre le disait, c'est vraiment... Non, mais ce que tu as en train de dire... Parce que la religion nous a fait croire qu'en fait, tu connais pas, tu enseignes pas. Tant qu'on n'a pas pratiqué, on n'enseigne pas ça. Tant que... Non, 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 non. Bien sûr que le message qui est pratiqué est plus puissant et plus impactant, vous comprenez? Mais le message que nous n'avons pas pratiqué, nous plantons cela dans notre esprit et nous nous fortifions, en fait. Yes, 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 yes. Et je me rends compte même que c'est vraiment particulier parce que c'est le moyen. Encore une fois, notre esprit se nourrit des paroles, en fait. Et les meilleures paroles, la meilleure personne qui peut plus nous convaincre, c'est nous-mêmes. Parce que c'est la voix qui est la plus familière. Et je pense vraiment que au-delà d'enseigner et de parler, c'est que je pense que l'exercice dont je parlais tout à l'heure, en rentrant chez lui, chez soi, trouver quelqu'un pour lui enseigner le message qu'on a reçu. Et ça, j'ai fait ça avec ma mère. Je lui ai dit, mais elle me disait, il y a un message que j'ai reçu, mais j'arrive pas à bien le comprendre. J'ai dit, trouve quelqu'un et enseigne ce message. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, purée, mais c'est incroyable. Quand j'ai enseigné, j'ai mieux compris. Amen. Quand j'ai enseigné, j'ai mieux expliqué. J'ai même trouvé des choses que même que l'homme de Dieu disait, enfin, qu'il n'avait pas dit. J'ai rajouté des choses moi-même que j'ai vues dans la parole de Dieu, etc. Et je pense vraiment que c'est un exercice qu'il faut absolument pratiquer pour nous fortifier nous-mêmes. Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées en disant que si tu ne le vis pas, tu ne dois pas le pratiquer. Or, une vérité, c'est une vérité. Est-ce que tu es prêt à dire la vérité ou pas? C'est ça. Et certains motivateurs vont même dire que quand vous lisez un livre, lisez comme si vous allez après l'enseigner à d'autres personnes. Ça nous met dans les meilleures conditions pour apprendre. C'est assez remarquable, c'est assez particulier cette affaire d'aller enseignement, là, comme tu dis. Moi, je vais aller vraiment dans une autre direction. Tant qu'on est là dans la fortification, comment fortifier l'esprit, on y va. C'est dans la fortification de l'esprit, mais je vais apporter juste une nuance qui va faire un peu l'équilibre. En fait, il faut parler des choses qu'on n'a pas pratiquées, mais ça dépend des thèmes. Je vais m'expliquer. Il y a des gens qui vont peut-être entendre ça et qui vont se dire, d'accord, je ne suis pas marié, je vais enseigner sur le mariage. En fait, ça dépend des thèmes. Parce qu'il y a des thèmes, en fait, tant que tu ne les as pas vécus, il y a des choses dont tu ne peux pas parler parce que tu ne les as pas vécues. Donc, j'apporte juste la nuance pour dire que lorsqu'on parle, on parle vraiment de fortification de l'esprit. On n'est pas en train de parler vraiment de thèmes qui touchent des sujets qui sont vraiment un peu plus délicats. Mais on a dit que la nourriture correspond à la saison dans laquelle on est aussi. C'est exactement ça. On a dit aussi que la nourriture correspond à l'âge dans lequel on est. Donc, quand tu as identifié ton âge, en fait, tu as identifié ta saison, tu restes dans ce domaine-là, en fait. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas dans la saison du mariage et que tu as envie d'expliquer 10 techniques pour faire un rapport sexuel futur, en fait, je vais me demander où est-ce que tu as fait ça, en fait. C'est tout, en fait. Tu as fait ça où? Est-ce que vous voyez? J'ai vu les diapos. Est-ce que vous comprenez? Non, il y a des bases avant. Il y a des bases avant. Bien sûr, tu es dans une saison, c'est la nourriture que tu veux manger, que tu dois manger. Ok, c'est ça que tu dois pratiquer. Tu as du mal à la pratiquer, tu l'enseignes, mais ça correspond à la nourriture de ta saison, ça correspond à la nourriture de ton âge, ça correspond à la nourriture de ton espèce. C'est ça, c'est exactement ça. J'aimerais insister encore sur l'espèce. Merci pour la nuance. J'aimerais vraiment insister sur l'espèce pour peut-être nuancer la nuance encore. C'est que si un jeune... Va pas trop loin. Je savais que sentais ça, c'est pour ça que j'ai... Bon, je sentais ça grave. Mais bon, on se comprend. En fait, c'est que, par exemple, un jeune de l'église qui vient d'avoir un GR, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas, il peut quand même aller prêcher le message que tu as prêché. C'est-à-dire qu'il prend le message, il dit l'apôtre dit ceci, cela, notre leader dit ceci, cela, et reprêcher le même message, même s'il n'est pas un maître dans le domaine. En fait, voilà. Et donc, à partir du moment où c'est le même message qui est prêché, ou bien qui spécifie bien, ça vient de ce livre de l'apôtre, je suis en train de dire ce qui est écrit et tout, machin. Bon, je pense que même certaines fois, bien sûr, avec l'accord de son leader, si c'est pour prévenir certains jeunes par rapport au mariage, sur la base de ce livre ou de l'enseignement qui a été donné à la maison, il peut aborder certains points. C'est vrai, il y a, ça dépend vraiment des cas de figure, hein, comme le pasteur Gentil a dit, il y a des domaines, il y a des contextes. Il y a le contexte du GR, effectivement, on faut pas être responsable d'un GR. On n'est pas obligé d'être marié pour être responsable d'un GR. On n'aurait pas beaucoup, hein. Tu es marié, non? Ok, bon. Tu ne peux pas enseigner sur le mariage. Tu veux trouve une femme d'abord. Il y a quand même une question il y a quand même des contextes, des cas de figure. Sauf cas de figure, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais si tu te retrouves dans le GIA, il faut quand même que tu abordes certains points pour édifier des personnes. Oui, parce que bon, le truc aussi, parfois, il ne faut pas tomber juste dans la prétention. C'est ça. Parce que le risque, c'est ça. C'est ça qu'il disait. Parce que le truc, c'est que vous pouvez écouter quelqu'un qui enseigne, vous savez qu'il n'est pas dans ça en fait, mais vous sentez une humilité lorsqu'il enseigne ça, vous sentez que en les motivations sont bonnes, il n'est pas dans la prétention en fait, vous voyez, pas comme cette personne-là qui vient de se marier et la personne prétend faire un séminaire de plusieurs mois sur le mariage. Je dis, my God, tu dis non, sois humble, tu vois. Il y a des domaines que tu dois aborder ou que tu peux aborder, aborde-les. Voilà quoi. Ah, ça c'est très bien. En tout cas, on a bien nuancé, on a bien équilibré. On vous a montré. Il y a beaucoup d'autres exercices. Vraiment, la liste est loin d'être exhaustive. Mais nous allons continuer ce thème sur la fortification de notre esprit à la prochaine émission. Ne la ratez surtout pas. Vous avez été bénis par cette émission, vous avez aimé et vous la regardez à travers YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner maintenant à notre chaîne et à cliquer j'aime et à faire un commentaire sur la vidéo pour que YouTube la mette en avant et puisse la présenter au maximum de personnes qui ont besoin d'être fortifiées dans leur esprit. Si vous n'avez pas encore notre application Évangile TV, vous pouvez la télécharger sur Android, sur Apple Store, etc. pour regarder notre chaîne 24 heures sur 24. N'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez faire un don à www.évangile.tv ou bien nous écrire au 06 36 91 21 74 pour nous dire comment envoyer votre MoneyGram, comment envoyer votre Western Union. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais avec moi le pasteur Isaac, le pasteur Darius et le pasteur Gentil. On se retrouve dans la prochaine émission où nous allons continuer le thème sur la force de l'esprit. À bientôt.